Pour le début de cette cérémonie en l'église de la Madeleine, c'est l'hymne à l'amour hein, que l'on entend. Magnifique chanson. En 1995, pour terminer son spectacle, hommage à Piaf. Son arrangeur musical qui est là, Yvan Cassar. On l'a donc vu entrer porté par ses meilleurs amis, Jean-Claude ouais. Darmon, son manager Sébastien Farran, Pierre Billon. Et puis Maxime Nucci, l'un de ses tout derniers musiciens. Jean-Claude Camus qui était là aussi. Bien sûr. Évidemment. Alain Souchon qu'on vient de voir. On a vu Alain Souchon, Laurent Voulzy. Une foule importante toujours là parce que la cérémonie est retransmise sur les écrans géants. Son ouais. producteur Bertrand Lamblot. Et la fin de l'hymne à l'amour qui résonne. Pendant que la famille s'installe, Laetitia Hallyday, et la cérémonie filles. Qui commence. Monsieur le président du Sénat. Mesdames et messieurs les ministres. Madame la maire de Paris, Madame la présidente de région, Mesdames et Messieurs les élus, vous tous représentants des institutions de notre pays, et vous tous, chers amis, frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette église consacrée à Sainte Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, celle dont l'amour pour Jésus ne s'est jamais démenti. Celle à qui l'on peut tout demander et de la prière de laquelle on peut tout obtenir. Bien des paroles se pressent dans nos cœurs et dans nos têtes. Il y aurait tant à dire, tant à partager. Deux d'entre nous, deux des amis de Johnny Hallyday, M. Philippe Labro et M. Daniel Rondeau, vont maintenant partager avec nous leur amitié, leur attachement, leur espérance aussi. Et je vous invite à vous asseoir. Tu veux que j'aille le chercher, le déroulement de... Oui. On n'a pas le déroulement. C'est un peu embêtant. Sinon, d'être à son diapason. Non qu'il fût un homme simple, loin de là. Mais il aimait choisir les mots, les chanter et les dire pour qu'ils atteignent tous les publics. Cet homme, seul capable aujourd'hui de créer un tel moment de communion populaire, Johnny Hallyday, qui était-il? Cherchons les mots. Un alchimiste, un voyageur, un aventurier, un combattant, un caméléon, un athlète, un artisan, un artiste, un fédérateur, un inventeur,
un solitaire, un rockeur, un amoureux, un biker, un généreux, un père par deux fois. Un enfant dans un corps d'adulte, un adulte aux yeux d'un enfant. Bleu en amande. Ce bleu qu'il a légué avec Sylvie, à David et avec Nathalie, à Laura. Cette étrangeté dans le regard, ce mystère. Car tout homme est un mystère. Lorsqu'il s'avançait sur une scène ou un lieu, quel qu'il soit, il avait cette démarche chaloupée, souple, qui à elle seule suscitait une question. Qui est donc cet être en apparence réservé, timide, pudique, humble et modeste, qui se transforme en monstre sacré de scène, omnipuissant chanteur, crevant les écrans et les plafonds du son, dépassant les normes, habité comme envoûté par une force venue du plus profond de sa très singulière nature. Qui était-il? D'où venait cette rage, cette fureur? Tout ou presque a été dit, écrit, filmé, télévisé sur les origines de ce singulier mélange. Cette enfance tronquée, truquée, trompée, cette plongée tout de suite dans l'univers du spectacle, le goût de paraître, les traces génétiques, les influences, les modèles, les exemples qui ont fait de lui, comme il l'admettait avec un sourire d'étonnement, une réussite quasi immédiate. Ce qui fascine les millions de gens qui ont voulu se reconnaître en lui, ce qui émeut et provoque estime et admiration, c'est qu'à travers toutes les chutes, les rebonds, les excès, les extravagances, Johnny est resté le même homme. L'homme, cette corde tendue au-dessus d'un abîme, comme l'écrivait Nietzsche. Comme si la gloire ne l'avait pas fait vaciller. La gloire. Voici donc un des mots-clés de l'énigme Hallyday. Il l'a connue très tôt, elle aurait pu le détruire. Car il y a la bonne et la mauvaise gloire. Il peut exister un poison de la gloire. Elle peut vous entraîner dans les pires comportements. Elle peut enfermer un être sur lui-même, le couper des autres, lui ôter toute notion du réel, toute clairvoyance. C'est une tentation, une porte ouverte vers l'ego hypertrophié, démesuré. C'est aussi la voix du désespoir, l'appel du néant. Johnny l'a suffisamment dit et raconté, sa peur de la mort, sa crainte de la solitude, l'empreinte majeure, jamais effacée, de l'abandon paternel dont il fut la victime, lui ont souvent fait frôler le désastre et l'autodestruction. Or, et c'est là qu'il est, entre autres raisons, digne de respect et d'admiration, il a résisté au danger de cette gloire dévoyée. Et ce faisant, il s'est fabriqué, il s'est construit. Un homme ne naît pas un homme, il le devient. Hallyday devient un homme à travers ses épreuves, ses erreurs, ses virages sentimentaux, ses accidents et blessures, et par le déroulement de cette vie invraisemblable. Invraisemblable. Il accumule les expériences, il approfondit son jugement, il maîtrise sa voix. Elle devient de plus en plus grave, profonde, vigoureuse. À mesure qu'il franchit les obstacles et se casse la gueule, il se relève. Et la voix d'Hallyday est nourrie par les douleurs et par les malheurs. C'est un curieux phénomène. Plus il prend de l'âge, plus il prend de la force. Plus les choses de la vie vont mal, enfin vont chaotiques, plus il se fabrique. Et c'est à un de ces tournants chaotiques qu'a lieu un petit miracle. Il rencontre Laetitia qui va, confiera-t-il souvent, lui donner tout ce que l'on ne m'avait jamais donné. Le mot miracle est un cliché, je vous demande pardon, il n'y a pas de miracle dans la vie de Johnny Hallyday. Il y a des circonstances. Avec le recul, elles deviennent des évidences. Et au-delà et aux trois quarts de sa course folle, il était devenu évident, puisqu'il s'était construit dans ce but, qu'il allait atteindre le point fixe. Cette merveilleuse convergence d'amour, protection, disponibilité, conseil, assistance, patience, tolérance, incarnée par une jeune femme, Laetitia, qui me dira, il a appris à s'aimer, il ne croyait plus en grand-chose, il s'est accepté et il y a gagné la paix et l'équilibre. Il faut dès lors
parler de grâce. La mauvaise gloire aboutissait au poison, la bonne gloire le conduit vers une sorte de grâce. Grâce dans son rapport aux autres, à leur écoute, interrogeant chacun sur sa vie, pourvu d'une dose inépuisable de gentillesse, de bienveillance, soulignée par un sourire d'indulgence et de compréhension, une faculté de pardon illimitée, un culte de l'amitié. Grâce dans son travail, dans le processus de création, en studio ou ailleurs, il fait preuve d'une sûreté de choix, une intuition de ce qui va ou ne va pas. Et il accorde à une nouvelle génération de musiciens, chanteurs, compositeurs, toute son attention car il sait qu'il apprendra d'eux autant qu'eux de lui. C'est la jeunesse. Il la scrute, il la suit, il l'observe, il ne s'en détachera jamais. Grâce dans son insatiable curiosité des autres, du temps qui passe, de ceux qui savent ce qu'ils ne savent pas, sa curiosité synonyme d'intelligence. Grâce dans son respect et sa proximité permanente avec le public. Les gens, il les aime. Il est en partage constant avec eux. Il sait ce que veut le public et il leur donne, même quand il décide de changer de costume ou de thématique. Il donne et eux lui rendent. Grâce enfin dans l'épanouissement de l'amour pour elle, Laetitia, pour ses enfants, les plus âgés, comme les plus jeunes, Jade et Joy, à l'égard desquels il déploie l'art d'être un père, baignant enfin dans ce que Mauriac appelait le lait de la tendresse humaine. Et si l'on devait faire le compte des mots prononcés dans les 1000 chansons de Johnny, on y trouvera en premier le mot amour. La grâce enfin dans sa confrontation à la douleur, à la souffrance, le refus de la mort, une résistance d'acier, un combat dont jusqu'au dernier jour, il vaudra croire qu'il le gagnerait. Un courage inouï, venu d'un corps qui, même diminué, avait été le corps d'un colosse. Ainsi donc, la grâce aura été l'aboutissement de sa gloire. La gloire et la grâce, tel pourrait être le titre du roman de sa vie. Laetitia m'a confié, quand il est tombé au sol dans le bureau transformé en chambre d'hôpital, il a levé les yeux au ciel. Et puis il s'en est allé. Voilà, il n'est plus là. Il est parti, et une immense partie de toutes nos histoires, à nous tous et toutes, ici et ailleurs, est partie avec lui. Il a levé les yeux au ciel. On pense à la phrase finale d'un film de Robert Bresson que Johnny Hallyday aurait pu prononcer. Quel drôle de chemin il m'a fallu prendre pour parvenir jusqu'à toi. Le moment magique dans l'histoire du rock'n'roll a été celui des débuts, au milieu des années 50, quand il n'est encore qu'une aventure improvisée pour jeunes gens des bas quartiers qui manient leur guitare comme des armes de rébellion massive. Cette musique binaire appartient à tout le monde et l'iconostase fait le tour de la terre. Dans la case France, un seul portrait, celui d'un jeune homme blond, aux cheveux courts, prénom Johnny. C'est un enfant de la balle, un saltimbanque, sans autre racine que la musique. À compter de cette date, Johnny ne cessera plus d'arpenter notre pays avec ses chansons. Cette fidélité du chanteur aux vieilles provinces françaises est l'un de ses succès.
de ses secrets. Partout où il passe, il échange sa sueur dorée d'étoiles contre quelques rayons d'une gloire qui dure. Il vient pour se montrer, illuminer son visage dans les lieux de son public, jusqu'au mois de juillet dernier, quand il chantait avec ses deux amis de toujours pour la tournée des Vieilles Canailles. Johnny, Eddie, Jacques, les trois mousquetaires de la France rock'n'roll. Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas quartiers. Pour la plupart de ses fans, souvent plus ou moins des fils de personnes, le seul rapport qu'ils entretenaient avec les mots et avec une forme de poésie populaire, c'était ses chansons. Johnny Gavroche nourrissait sa propre faim de poésie en mêlant ses vies de misérables à la sienne. C'est ainsi qu'un jour, passant par Thionville comme un vif argent, il avait offert son cachet aux mineurs en grève. Les mineurs savaient bien qu'il aurait pu tout aussi bien jeter sa coupe d'or à la Moselle pour le seul plaisir de voir l'eau ridée et pour soupirer comme le vieux roi de Tulé dans la ballade de Goethe. Et lui en avait su gré de ne pas l'avoir fait. Le lendemain, quand Johnny avait quitté la ville sous une pluie oblique, les mineurs en grève lui avaient fait l'offrande de leur présence en cortège sur plusieurs centaines de mètres. Le jeune roi s'était retourné dans sa Mercedes pour regarder les lampes de leur casque qui bougeaient dans les rideaux de la pluie, et il avait eu le ventre serré de comprendre que la vie pouvait être intense des deux côtés de la vitre. S'il se donne souvent l'apparence d'un homme sorti du néant, et s'il se livre à une vie d'errance, il n'oublie jamais de se situer dans l'armorial français des troubadours. L'enfant de la balle a toujours été sensible au lignage du talent. Maurice Chevalier, Jacques Brel, Georges Brassens font partie de sa vie. Johnny règne aujourd'hui sur le podium des mythologies françaises, coulé dans le bronze de la dévotion populaire entre De Gaulle et Tintin. Paul Valéry écrivait que la France offre la plus belle collection de phénomènes au sens forain du terme qu'on puisse imaginer. Napoléon, Clovis, Jeanne, Richelieu, Robespierre, etc. Nous avons, dit-il, l'histoire la plus fournie de grandes vedettes. On pourrait en faire une représentation de gala au théâtre français, et une autre pour les gens de lettres, Pascal, Rabelais, etc. Il me semble qu'en notre temps, qui s'est détourné des héros et des saints, Johnny pourrait entrer dans cette parade de phénomènes français au sens forain du terme. Quand je l'interroge sur son rapport à la France, il répond sur le ton de l'évidence. Je suis français et ma ville, c'est Paris. Ajoutant un peu plus tard, comme je suis né catholique et mourrai catholique. Il avoue son admiration sans frein pour le général de Gaulle. Jacques Chirac est son ami, comme Nicolas Sarkozy plus tard, il dîne avec François Hollande, puis se liera avec Emmanuel Macron. C'est son côté Jean d'Ormesson, l'homme talisman des présidents. S'il admire le héros de la France libre, cela ne l'empêche jamais de chanter régulièrement à la fête de l'humanité. Le jour où je lui demande s'il accepterait d'enregistrer le chant des partisans pour le générique du film « Les hommes libres », nourri des interviews de résistants par Roger Stéphane, le très jeune libérateur de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Roger Stéphane, il me confie qu'adolescent sans laisse Nicolier, il a vécu chez Jean-Pierre Bloch et sa femme parce qu'il était l'ami de leur fils. « Quand mon copain allait se coucher, dit-il,
Je les interrogeais sur leur combat pendant la guerre. C'étaient des gens formidables, des héros de la résistance. Ils m'ont beaucoup appris. En 60 ans de carrière, Johnny avait pris l'habitude de donner aux Français de grands rendez-vous, où ils se renouvelaient leurs vœux d'affection éternelle. Ils se sont ainsi retrouvés au Champ de Mars pour le 14 juillet, au Stade de France pour son anniversaire, mais aussi Place de la République, après le Bataclan, un dimanche de janvier. Johnny était devenu le fils sans père, le tentateur, le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, l'ange crucifié de la résurrection et du pardon. Le fils prodigue, le vagabond, rocker et troubadour, forever. Johnny nous a quittés. Oui, Johnny nous a quittés. Ce matin, dans les friches de la France abandonnée, comme dans les donjons de l'establishment, c'est le même cœur qui bat pour lui. Oui, notre cœur français. Notre cœur français bat pour toi, Johnny, comme il bat aussi pour vous, Laetitia, pour ta famille, Johnny, et pour tous tes enfants.